Bonsoir, 828 000, c'est le nombre exact de naissances en 2010. Le taux de fécondité des Français, comme vous le savez probablement, a augmenté malgré la crise, passant de 2 tout rond en 2009 à 2,1 l'an dernier. En Essonne, eh bien, on observe exactement les mêmes tendances, sauf que dans le département, le nombre d'enfants par couple est plus important que la moyenne française. Claire Colombel s'est rendue dans un service de maternité à Orsay pour recueillir le témoignage du personnel médical. Les Essoniens font beaucoup d'enfants. Tel est le constat que l'on peut faire en regardant les études de l'INSEE. Au 1er janvier 2008, le taux de fécondité est 2,2 chez les femmes du département. En résumé, les familles sont en moyenne composées de 2,2 enfants. Un chiffre en augmentation depuis 10 ans. François, chef de service à la maternité du centre hospitalier d'Orsay, observe ce phénomène et n'est plus étonné de recevoir des familles composées de 3 ou 4 enfants. Nous, on augmente environ de 3-4% par an. Et qu'on était, alors ça c'est peut-être dû à d'autres facteurs, hein, bien sûr, mais globalement il y a évidemment une hausse de la natalité, puisqu'on, sur Orsay par exemple, il y a une dizaine d'années, on était environ à 700 naissances par an, et qu'on on est au-delà de 1200 naissances actuellement. En 1999, un peu plus d'1 133 000 personnes habitaient le département. Aujourd'hui, c'est 1 212 000 qui y résident, un chiffre continuant à augmenter avec le nombre de naissances. L'Essonne fait partie des départements comptant le plus de nouveau-nés en France. Sur les 8 d'Île-de-France, nous détenons la 3e place en termes de fécondité, derrière la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise. De plus en plus de bébés, là on va continuer avec des chiffres, mais dans un tout autre domaine, puisque cela concerne les pompiers essoniens. Il faut savoir que ces pompiers doivent gérer 1500 appels chaque jour. Sur ces 1500 appels, cela se traduit quotidiennement par 248 interventions. En prenant une machine à calculer, cela représente 90 500 interventions, soit une action de secours et toutes les 5 minutes. De quoi peut-être s'étonner que ces soldats du feu soient de temps à autre pris pour cible par des malveillants au cours de leurs opérations de sauvetage. Une commission du Sénat vient de voter un amendement tendant à légaliser l'euthanasie. C'est une première en France, même si le texte a finalement peu de chances d'aller jusqu'au bout de la procédure législative. Dans certaines unités de soins palliatifs de l'Essonne, qui sont nombreuses, eh bien les professionnels ne semblent pas trop pressés de voir voter une loi. On voit ça avec Christophe Garnier. Dans cette unité de soins palliatifs de Joffre du Pitrin, Draveil, les professionnels de santé ne semblaient pas forcément très pressés de voir le Parlement envisager de légaliser l'euthanasie. Ici, les médecins semblaient craindre une banalisation de l'acte, contraire à l'esprit qui anime le service. Les soins palliatifs ont justement comme vocation à ajouter de la qualité de vie à la vie qui reste. Et sûrement pas à abréger cette vie qui reste de façon à éviter qu'une souffrance n'y apparaisse. Loi ou pas, avec 40 lits et 10 unités mobiles et fixes de soins palliatifs, l'Essonne est un des départements français les mieux dotés. Pourtant, certains professionnels déplorent encore trop souvent, ici ou là, de mauvaises conditions de fin de vie qu'une loi ne résoudrait pas forcément. Peut-être que la réponse actuelle, elle n'est pas dans une précipitation à faire voter une loi, mais se doter et se donner les moyens de faire une évaluation des pratiques et une évaluation des demandes d'euthanasie en France. Même si la légalisation a un peu de chance d'aboutir, ces professionnels regrettent une approche souvent très manichéenne du débat, bien loin de leur pratique forcément pragmatique. Et ce matin sur Europe 1, Manuel Valls a salué comme un droit nouveau, ce sont ses propres termes, l'aide active à mourir. Ce droit à mourir dans la dignité, a expliqué le député maire d'Évry en insistant sur le fait que la majorité devrait accepter ce droit nouveau via la proposition de loi qui lui est consacrée. On passe au jury populaire. Le débat s'accélère. Le projet de loi devrait être bouclé à la mi-février, c'est plutôt que prévu. Pour mémoire, aux côtés des magistrats professionnels, on devrait associer dans des juridictions correctionnelles, et cela pendant une semaine, des citoyens ordinaires tirés au sort probablement sur liste électorale. Ça se passe déjà ainsi devant la cour d'assises. En fait, ces jurés, ils devraient avoir également la possibilité, avec les juges d'application des peines, de décider si l'on maintient ou non en prison un détenu. Charlotte Pasolunghi et Florian Kayser ont recueilli quelques avis essoniens sur la question. Votre réaction si vous étiez tiré au sort?
Jury populaire. Oh bah écoutez, ma foi, on va remplir son devoir civique. Il n'y aura pas de problème, je pense. Franchement, c'est pas mon truc, quoi. Je m'intéresse pas, donc j'irai pas. Ça doit être intéressant, mais la prise de décision après doit être difficile à prendre. Bah c'est bien, je serai partant. J'ai jamais été confronté, je me suis jamais posé la question en fait. Je refuserai. Ça m'intéresse pas du tout. Enfin, j'ai pas envie de me porter en tant que juge ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Il y a des gens, ils mériteraient pas de juger d'autres personnes. J'ai déjà été appelé une fois à être jury, mais bon, au tribunal. Pourquoi pas, ouais. Ma réaction serait positive. Enfin, j'irais probablement. Mais c'est déjà dans la législation, ça. On est appelé, c'est à être juriste, à être juré, pardon. J'y réfléchirai à deux fois parce que je pense que ça engage beaucoup en termes de responsabilité personnelle. Bah oui, ça implique les citoyens dans la vie de la société, ce qui est une chance. Non, il n'y a qu'un Dieu qui nous dit, je ne peux pas juger quelqu'un. Dans l'actualité, Jean-Pierre Bechter, vraisemblablement élu ce soir à la présidence de l'agglomération Seine-Essonne. Le maire de Corbeil, réélu le mois dernier, avait auparavant perdu ce siège de président à la suite de l'annulation de la municipale de Corbeil. Il n'est pas maire, il est détenu depuis quelques mois à Fleury-Mérogis. Pierre Falcone, présenté comme la clé de voûte d'un vaste trafic dans l'affaire de l'Angola Gate, Pierre Falcone se retrouve en appel devant la justice et en compagnie de Charles Pasqua. Nous allons terminer avec PAL Réseau. C'est une initiative de la municipalité de Palaiseau. En fait, c'est un super site gratuit d'annonces à l'attention des habitants de la ville. On y échange des savoirs, des passions, des centres d'intérêt. C'est extrêmement solidaire et en quelques clics, on peut avoir ou proposer des annonces de soutien scolaire, de garde d'enfants. On peut avoir de l'aide informatique, des stages de toutes sortes, des colocations, du bénévolat ou des conseils de jardinage, voire de bricolage. C'est très facile d'accès, on est guidé pas à pas, c'est sur www.ville-palaiseau.fr. Voilà donc pour l'essentiel, merci de nous avoir suivis.